Bonjour et bienvenue sur Passionnément Scrap. Je vous retrouve aujourd'hui mardi 22 décembre déjà. Et oui, le mois de décembre est passé très très vite. J'ai rien vu passer. Dans 2 jours, on fera déjà le réveillon. Truc de fou quoi. Alors, hop, comme en habitude, celui-ci, donc le 22. Le 22. Un peu, je retire. Même celles qui sont déjà ouvertes, elles se referment toutes seules en fait. Alors, le 22, donc là c'est le 24. Ah, le 22. Ici. Alors. Oh. Il s'agit d'un gloss. Alors, il n'est pas aussi rouge que... Enfin, il est beaucoup plus rouge, je veux dire, que ce que vous croyez. Ce que vous pensez voir. Il a l'air... on va tester sur la main. Quand même, moi, j'arrive pas à dire si c'est un... Oups, si. Ouais, ça doit pas rendre pareil à la caméra. Un rosé rouge. Ouais, il fait un petit peu comme mon pull, on dirait. Ah, à tester, du coup. Alors, meurtrière, les traces de rouge à lèvres, là, les traces de gloss, je m'en mets partout. Donc, celui-ci, c'est fait. Hop, je le rangerai après. Donc, je prends le carton de Marie. Oui, il n'en reste que 3 dedans. Le vin, le menu. Alors, le 22. Il s'agit... pour décorer tes albums. Alors, je pense que cette fois-ci, c'est des stickers. Ou quelque chose comme ça. Alors, le 22. Le 22. Ici. Alors, non. Vu la forme, là, il y a des petites bosses. Décorer tes albums. Tes ou un album ou... Le 22, il est là. Tes albums. Donc c'est pour plusieurs. Non, bah là du coup je vois pas. Alors à moins que ce soit un embellissement qu'on met sur la tranche d'un album. Ah, si ça se trouve, c'est toi qui as fait quelque chose pour mettre sur les tranches d'album. Voyons voir tout de suite. Vais-je trouver ou pas? Alors, non. Base pour décorer les albums de photos. Les albums de photos. Pour décorer des albums photos. Alors, du coup, je ne vois pas comment on s'en sert. Enfin, j'étudie ça. Base. Marqué base, surtout. C'est ça qui me... Ouais, bah, je vais étudier ça de plus près. Et je verrai bien pour ça. Et alors, il y avait un autre petit truc avec... Et ça, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est une création que tu as fait. Est-ce que je me trompe? Alors, je retire les petits rubans. Ils peuvent toujours servir, d'ailleurs. Quand on arrive à les enlever. Alors. Alors. Hop, les petits rubans sont enlevés. Et donc... Ouh, dis donc. Haha, j'avais raison. Il s'agit des petites créations en perles. Je sais pas si vous allez bien voir. On va mettre... C'est fait en papier en plus, là. Au milieu, la petite... Bon, le focus ne veut pas se faire. Une autre comme ceci et la troisième comme ça avec le genre de petits pompons en papier. Et ben dis donc, je m'excuse hein, les enfants sont là hein, vous savez. J'ai beau leur dire doucement, faites pas de bruit, maman elle fait la vidéo.
Ils arrivent toujours à en faire. Donc, merci Marie, c'est super beau. Ouais, waouh. Donc, si je comprends bien, c'est sur un fil alu, donc ce qu'on trouve en rouleau, que tu fais même ta tige. C'est pas les petites... je sais plus comment on appelle ça, là. Les tiges à tête, là. Attends, je les ai là. Toi, tu te sers, donc, si je comprends bien, de rouleaux de fil alu et non de ça. Parce que ça, c'est petit, ça. Avec la tête, comme ça, là. Parce que je ne sais pas travailler sur le fil en... Je suis tentée d'avoir, d'ailleurs, des fonds de rouleaux qu'on m'avait donné. Et j'ai jamais essayé de m'en servir, parce que je sais pas... Je ne sais pas faire, mais vu que là tu enroules en faisant tout un truc et puis que là aussi c'est enroulé, je pense que c'est fait sur les fils alu en rouleau. Voilà. Et celui-ci, il a l'air d'être fait avec les gros fils d'alu. C'est superbe. Bravo et puis merci beaucoup. Et donc du coup, je vais étudier ça de plus près. Parce que c'est marqué 4 pièces antiques, brassées 4 pièces antiques silver. Donc oui, il y a l'air d'y avoir peut-être deux sortes de couleurs. Donc les silver, c'est les gris, et puis les autres qui font plutôt, plutôt doré. Là, vous voyez peut-être à peu près là, voilà, avec la caméra, je pense, la différence. Mais il faut que je regarde exactement comment on sert. Moi, ces trucs, les spirales là. Je pense que ça doit servir avec une attache parisienne pour que ça puisse rouler. Donc je vais regarder ça. Et ben merci beaucoup Marie. Hop, je vais remballer les petits trucs pour les protéger. Voilà. Merci beaucoup. Et toi, j'ai pas de nouvelles. Je pense pas que tu es encore ouvert parce que tu as tes enfants qui sont là aujourd'hui. Et mon carnet, je ne l'ai pas sous les yeux. Donc nous sommes le 22. Je sais plus. Attendez. Alors. 22. Ah ouais. Hâte que tu l'aies aussi, celui-là. Eh bien, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis, donc, je vous donne rendez-vous demain pour l'avant-dernier. Allez, bye bye.